Depuis quelques années, des super-héros ont commencé à faire la loi dans nos rues. Pour vrai, des citoyens ordinaires à travers le monde se déguisent en héros qu'ils ont créés et se donnent des missions à caractère citoyen et humaniste. Certains vont même jusqu'à dépenser plusieurs milliers de dollars dans leur équipement. Voici Dave Lizuski. Grâce à une enchère qu'il a remportée, il a eu l'honneur de choisir le nom de l'adolescent derrière le super-héros Kick-Ass créé par Mark Miller, qui a d'ailleurs bénéficié de sa première incarnation au cinéma en 2010, 2 ans après la parution du premier numéro. Nous suivons l'évolution d'un adolescent du nom de Dave Lizuski dans sa quête pour devenir un vrai super-héros à cause de la violence dans le scénario et du personnage immoral de Hit Girl. Aucun studio n'était intéressé à financer le projet. Le réalisateur Matthew Vaughn a donc décidé d'organiser un souper bénéfice et a réussi à récolter les 30 millions de dollars nécessaires à la production. Mais étrangement, pendant le tournage de Kick-Ass en 2009, James Gunn, un ami de Mark Miller qui n'était pas au courant du projet, était occupé de son côté à réaliser une comédie d'action à propos d'un citoyen ordinaire qui décide de devenir un super-héros. Avec des recettes de 96 millions de dollars au box-office international, les producteurs du film Matthew Vaughn et Brad Pitt n'ont pas eu besoin d'organiser de souper bénéfice afin de récolter les 28 millions de dollars nécessaires pour la suite. À cause du massacre à l'école Sandy Hook qui a fait 27 morts le 14 décembre 2012, Jim Carrey, qui interprète le rôle du colonel Stars and Stripe, a annoncé peu de temps avant la sortie de Kick-Ass 2 qu'il n'en ferait pas la promotion à cause de la violence excessive du film. Et malheureusement pour lui, on estime que son geste médiatisé a donné pour 30 millions de dollars de publicité gratuite au film, ce qui fait de Jim Carrey le plus sympathique des ambassadeurs pour la violence au cinéma. Bon film!